j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme le titre l'indique, pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo aménagement, déco. On va s'occuper de la chambre de Haroun, puisqu'elle est quand même très très vide. Comme je vais vous le montrer, il n'y a qu'un lit tout blanc. On va essayer de décorer ça, en sachant que je personnellement, j'évite de toucher les murs, j'évite de mettre des choses sur les murs, parce que voilà, c'est toujours casse-tête quand il faut partir de devoir tout repeindre. Je regarde en haut là-bas parce que je vois une mouche. Voilà, donc c'est parti, écoutez, on y va, on va déballer les quelques objets déco que j'ai préparés et on va commencer, c'est parti. Donc on va s'occuper aujourd'hui de cette chambre, comme vous pouvez voir, qui est ultra vide. Il y a juste un lit, la garde-robe qui est ici, donc on va voir un peu ce qu'on peut faire avec cet espace. Un peu tout ça, donc Ahmed, t'en penses quoi? C'est magnifique, j'aurais aimé avoir une chambre comme ça quand j'avais un an. Ok, j'ai ces petites figurines, c'est un cadeau d'une copine. D'ailleurs, à chaque fois, je te dis qu'il faudrait qu'on en achète plus et on les a pas achetées, mais c'est de la marque Schleich, c'est allemand. Voilà, bref, ils font des figurines super jolies et donc elle a offert ça. Aux enfants. Donc alors là, ça franchement c'est mon coup de cœur. D'ailleurs on va recommander pour Rania et Marianne. Haroun il arrive. Donc c'est génial en fait. Vous mettez tout ce qu'il faut et l'enfant bah, peut s'amuser avec son petit truc. Ici on a Haroun. Hello. Regarde mamie, c'est pour toi. Les petits animaux. Les petits animaux. Ça c'est Haroun. Ensuite ici j'ai mis les petits doudous. T'as vu tes doudous? Maman l'a mis où les doudous? Doudou. Alors, donc là ici ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous les jouets de Haroun. Tu veux ton panda? Panda. La petite table Ikea que je vous ai montré dans un hall. Comme ça, regarde, voilà. Comme ça, bah, il pourra s'amuser. Ok. Donc ici j'ai récupéré deux bacs de chez des filles. Que je n'utilise plus et donc j'ai mis les jouets de Haroun dedans. Ici il y a tous les jouets en bois et là ce sont tous les autres jouets. Voilà le petit tapis qui est super beau. Franchement il est super beau. Avec les petits nuages en relief. Bravo. Mamie. C'est un lit de chez Ikea que je vous avais montré. Donc ça c'est le lit d'Ikea, je pense que vous allez le reconnaître, que je trouve juste trop chou. Donc là c'est un ensemble aussi que j'ai pris de chez Ikea. J'ai une petite couette, pas une couette mais une petite couverture avec des animaux qui va arriver mais qui n'est pas encore là. Voilà, en gros pour la chambre d'Haroun.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère franchement que ça vous a plu. En tout cas, je suis super contente d'avoir ce petit espace. Je trouvais quand même que ça faisait vraiment très vide. Et finalement, vous voyez qu'avec un petit tapis, un beau meuble de rangement, je tenais vraiment à avoir un meuble de qualité. Et c'est vrai que la Piccolo, là pour les filles, malheureusement, il n'y a pas de place dans leur chambre. Sinon, j'aurais bien pris un rangement un peu plus grand qu'ils ont. Par contre, ça... Franchement c'est canon, je trouve ça super top pour ranger les affaires. Et comme je vous disais, finalement avec quelques petites choses, on arrive à avoir un joli petit espace. Viens, on va le faire ensemble. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il voit les jouets, donc du coup il les prend plus facilement, alors qu'avant c'était dans des tiroirs, donc il jouait moins avec ses jouets. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les filles, on doit aménager votre espace, hein. On va aménager votre espace.